Bonjour. Bon ben, je vais vous tenir au courant de mes dernières visites chez mon oncologue. En fait, deux oncologues différents. Les deux ont été extrêmement clairs en ce qui me concerne, en me disant donc je n'ai aucune chance de m'en sortir. Il semblerait en plus que mon cancer se développe en plus au niveau de mon poumon. Que dire d'autre? Voilà, alors j'ai essayé le fasting, la diète sèche. J'ai pas mangé depuis à peu près 25 jours. Après, j'avais mangé une petite fois par jour des aliments dits nocifs au cancer, style l'ail, le turmeric, le brocoli, sprout, enfin, etc., etc. Et il semblerait, vu mes résultats de PSA, que ça ne serve à rien. En plus, j'avais essayé le baking soda en rêvant que ça allait marcher. Et j'ai appris que la personne, ce fameux Tullio Tomassini, est en prison pour 5 ans parce qu'il aurait tué deux patients. Donc ça ne donne pas très envie de persévérer dans cette voie. En ce qui concerne l'autophagie, une récente étude que je vais poster en dessous nous donne le résultat en nous disant que l'autophagie met en veilleuse les cellules cancéreuses, mais ne les tue pas, hélas, et que dès qu'on sort de l'autophagie, le cancer se réveille. Voilà, donc partant de là, les conseils de mes médecins, profiter de la vie, il n'est plus temps de faire une diète, en continuant ce que vous faites, vous allez tuer le patient et alors là c'est sûr que vous aurez tué le cancer. Voilà, donc écoutez, je suis très en bas de l'échelle, je veux dire. Si vous avez des idées, des conseils pour me faire un peu remonter le moral, eh bien écoutez, je suis preneur. Merci, très bonne journée, au revoir.